Nous suivons ici la piste historique qui a été construite par des chercheurs d'or au début des années 1880. Sur ce site de l'ancienne mine, on peut voir des vestiges de la roue hydraulique et un ensemble de 7 berbans. Ce sont des grands bols tournants en fonte dans lesquels le minerai était broyé. Imaginons-nous l'effort qu'il a fallu aux mineurs et à leurs chevaux pour transporter tout cet équipement sur la piste escarpée. Nous voilà au bord du Diamond Lake. Petit spot bien sympathique. Et nous voilà. Nous sommes ici sur le site des Elephant Rocks, qui sont une collection de grandes roches calcaires altérées. Ces formations rocheuses varient de 1 à 10 mètres de diamètre et sont naturellement dispersées autour d'un enclos d'herbe sur une douce colline sur une superficie d'environ 200 mètres de diamètre. Les roches elles-mêmes sont arrondies et grêlées à cause des intempéries, mais ne ressemblent pas spécifiquement à des formes d'éléphants. Cette zone a été utilisée comme lieu de tournage du premier film Les Chroniques de Narnia en 2005.